Bonsoir tout le monde. Encore un autre moment, une autre occasion qui s'est présentée devant nous pour vous présenter l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est la 9e heure selon la Bible. Oui, 3h de l'après-midi, 15h l'heure de Paris, 3h à New York, 3h en Haïti, 3h à Miami, 3h à New Jersey, à Boston et à Rhode Island, 3h à Montréal. 3h, c'est l'heure, c'est le moment de l'offrande du soir. Comment ça va? La lecture de la parole de Dieu va se faire immédiatement à la gloire de Dieu. Yes, préparez pour 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire immédiatement 2 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes
Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Pour vendre en ligne. Oh yes! Alléluia, ça est. C'est 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Une salutation à tout un chacun dans le nom de Jésus. Et nous continuons notre émission à la gloire de Dieu. Alléluia, oh yes. De Corinthiens chapitre 3, parole la belle. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous voulons te remercier encore de ce que tu as été pour nous, une source de force, une source d'inspiration, une source d'énergie. Alléluia, une source de puissance. Grâce Seigneur Dieu à ta présence en nous. Nous voici encore sur la terre des vivants. Ce n'est pas de la volonté d'homme, mais encore c'est ta volonté, Seigneur. Dans le but de l'adversaire, c'est de nous disparaître sur la terre des vivants. C'est dans ce but, alléluia, le psalmiste David a crié, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Oui, tu n'as pas été notre secours, alléluia. Nous serions dans le tombeau, alléluia. Oh, les gangs, les sorciers, oh, les kidnappeurs, et tous ceux qui en veulent en notre vie, nous auraient englouti tout vivant. Mais notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, lui qui accorde la délivrance à ses serviteurs et à ses servantes. Et nous voici prêts
Alléluia, en cette heure sacrée, pour présenter l'offrande du soir, parce que nous sommes en vie. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Le fait que nous avons le souffle de vie, et c'est ce qui a conservé cette source de vie en nous, nous n'avons pas d'autre devoir que de te louer, de te donner gloire. Nous pouvons dire, mais comment rendrai-je à l'Éternel à tous ces bienfaits envers moi? Comment te remercier? Comment te louer? Comment, alléluia, manifester notre reconnaissance envers toi? Alléluia, nous ne trouvons pas de mots. Les mots ne nous suffisent pas, Seigneur, pour te dire, Seigneur Dieu, ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous. Oh, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour la matinée. Merci pour l'émission. Merci encore pour les heures à venir. Merci pour le reste de la journée. Merci pour le mois de juillet. Et merci pour ce réveil de 40 jours. Merci pour la croisade qui viendra. Merci pour tout ce que tu seras fait. C'est à quoi tu auras fait pour nous, Seigneur Dieu. Alléluia, au cours de ce mois. Amen, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, la louange et l'action de grâce de la part de tes serviteurs et de tes servantes, et spécialement ceux qui t'adorent, ceux qui sont encore en ligne maintenant. Alléluia. Reçois la gloire et la louange de Manouchka, Bérus et Dieu du Fait, Devius, sans oublier Katia, Marcellus et Louis Berto. Reçois la gloire et la louange de Mila Smith, de Martine Joseph et Martine Jean. Alléluia. Et Marguerite Torléon et Sheila Morin. Oui, reçois la gloire. Alléluia. De Shirley Julien. Alléluia. Dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Reçois la louange de Marie-Carmel Edouard et Linda Laforce et Zazou Zakaria. Reçois la gloire et la louange de la part, alléluia, de ta servante Cathy Joachin et de ton serviteur Mavel Renaud, sans oublier notre maestro Jérubin Romus. Reçois la gloire et la louange, alléluia, de Josie Michel, Yvose Estimé. Oui, que ton onction repose sur Louis Beto encore une fois de plus. Alléluia, et Mireille Pousseli, Ketli Exhumé, et ses Marc Célestin. Sans oublier, alléluia, Thread Bite, alléluia, et c'est Delano Marie Fleurant. Agis, Seigneur, pour ces Moni de Jean-Baptiste et ses Justine. Louis, sans oublier, Pasteur Wisley, c'est là. Agis, Seigneur Dieu, cet après-midi. Alléluia, pour Erline, c'est Mexan. Alléluia, et merci, Tan Joseph, Gervais, Sanon, et Niman, Rosemène, et les autres qui sont toujours prêts, qui sont toujours branchés. Que cette émission apporte la paix, la joie, la délivrance, que ceux qui sont branchés puissent se sentir encore en ta présence, dans leur assiette, grâce à ta présence qui les envahira, Seigneur Dieu, dans le nom du Saint-Verset de Jésus, le Louis Famélé. Agis, Seigneur Dieu, pour encore pour cette famille, encore la famille Fabienne, Mérazil, Benjamin, Richemont, Fredeline, Rebecca, Joseph, Rollins, Frécieuse, Montauban, Joseph, Alfred, Joshua, Joseph, Giovanna, alléluia, Joseph. Agis pour Docteur Jacot qui prêche maintenant et qui sera très occupé ce soir. Agis pour Wallace, pour Ginette, agis pour Gao, Emmanuel, et Jonas, Anna, Justané, alors, alléluia. Et Anosta Boao, agis pour Brigitte et Justa. Amigail, agis pour Nadie, Jean et Nadine Scholl. Agis, Seigneur Dieu, pour encore, Seigneur Dieu, frère Fortune, c'est Fortune. Agis pour la piscine de Bethesda de Brooklyn. Agis pour la piscine de Bethesda de Mendoza. Agis pour la piscine de Bethesda d'Agualoca. Oui, agis, car nous comptons sur toi. Nous te prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia.
restaurer, préparer, habiter, moi bon Dieu. On qu'à vivre, yon la vie, ou mander. Pas quitter, moi marcher, loin présent, sous-souplé. Vine moi, Okay,
Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire. Roi de Sion, je t'ai trahi, roi de Sion, je t'ai trahi, roi de Sion, et maintenant mon âme a soif de toi, maintenant mon âme a soif de toi. J'ai péché contre toi, j'ai péché, roi de Sion. Oh oui, je t'ai trahi, je t'ai trahi, roi de Sion. Oh oui, je t'ai trahi, je t'ai trahi, roi de Sion. Et maintenant mon âme soit, mon âme soit de toi. Maintenant mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Je t'ai menti, roi de Sion. Je t'ai menti, roi de Sion. Je t'ai blessé, roi de Sion. Just for the show, you know, just for the show. Je t'ai blessé, roi de Sion, et maintenant mon âme a soif de toi, maintenant mon âme a soif de toi. Je t'ai menti, oh oui, je t'ai menti, roi de Sion. Oui, j'ai menti à toi, Jésus. Je t'ai menti, roi de Sion. Oh oui, je t'ai blessé. Je t'ai blessé, roi de Sion. Je t'ai blessé, Jésus. Je t'ai blessé, roi de Sion. Et maintenant, mon âme a soif. Et maintenant, yes. Nous avons péché contre Dieu, nous avons fait ce qui est mal au Seigneur. Alléluia. Nous lui demandons de nous faire grâce de temps à autre à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer notre émission cet après-midi, hein, alléluia, ce vendredi, yes, hein, ce vendredi 8 juillet. Hier, c'était la célébration de la mort de notre président Jovenel Moïse, le président qui voulait tout changer, mais le peuple ne pouvait pas, ne le comprenait pas. C'est après l'embolie, tout le monde a dit, oh, il était bon. Et dans toute voisine, tout le monde était là, il reconnaît tout le monde, puis il a été connu, voilà, assassiné.
même chauffer, laisser découvrir porte pour lui. Tout encore 30 sécurité, toutes. Dès que pas d'accord pour le point comme là, il a démissionné, il a démissionné, il a déjà soufflé, dit, nous quitter, c'est parce que nous avons fait complot pour tout le monde. Il va dire ça. Mais il mourit, mais qu'on est là, c'est tout d'abord glorifié. Et alléluia, d'accord, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Nous allons continuer avec notre émission à la gloire de Dieu, alléluia. On parle de pardon. Nous avons commencé avec le pardon. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu du sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Encore une fois, une dernière salutation, juste avant l'étude de la parole de Dieu. Salutation à encore mon neveu, my nephew, mi sobrino. Ah, je l'aime pas tous les trois. Mon neveu, my nephew, mi sobrino. Et donc un petit homme, alléluia, my sobrino, boss enoch. Nous saluons d'une façon spéciale à Marie-Josée Sénat. Oui, Marie-Josée Sénat. Oh non, c'est pas Marie-Josée Sénat, Marie-Josée Souffrant. Vous connaissez nous marguerons deux Marie-Josée de l'Église. Marie-Josée Sénat, ça c'est Marie-Jo. Marie-Josée Souffrant, c'est tout pour bon, l'Église. Ça c'est son ami Adeline. Alléluia. Nous saluons Naomi Goudet, et Kisha Goudet, et Kessler Goudet. Alléluia. Et Malayel Goudet. Tout Gouda est honnête. Nous saluons tout dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Esther Augustin, on ne connaît pas d'Esther, on connaît Esther Thomas, Esther Boulout, on connaît Esther Augustin. Et Jérôme est toujours là. Waouh, Justine est là. Justine est là. Waouh. Nous saluons Justine. D'accord. On connaît Justine. Justine, c'est le féminin de Justin. Moi, je suis Justin. Sauf, je ne dis rien de plus. Nous saluons Marie et comment dire encore, Caroline Cantal Chalot, alléluia, dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Et nous saluons d'une façon spéciale, alléluia, et quelqu'un encore, alléluia. Yes, du fond pour Lissin, du fond pour Lissin, du fond pour Lissin. Nous vous saluons dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Landry Patrice, guess what, Landry Patrice, Landry's in the house. Alléluia. VV Étienne, nous vous saluons dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Alléluia. Cher Jean-Claude, là, à la gloire de Dieu. Et puis, nous saluons Dédé. Bon, après, ouais, ou papa, viens jouer pour nous, non. Viens jouer, non, bah, là, non. Viens jouer, non, bah, là, pour nous, non.
Et n'a pas de pas c'est le quoi ça moi non dans 40 jours réveil là chaque soir m'a frappé même samedi soir m'a frappé là sur mon ballon campé à même parce que encore serviteur bon Dieu pas de repos point de repos de relâche racheté de l'Éternel. Yes, quand on est racheté de l'Éternel, point de repos, point de relâche, on travaille tant que le Seigneur vous accorde la force. Et la force est en Dieu. Donc s'il vous donne la force, s'il vous accorde la force, c'est pas pour encore tomber dans le plaisir, mais la force est pour travailler pour lui. C'est lui qui a dit dans sa parole, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Okay? Nous saluons encore Dieu du fait de Vius, comment il va au travail aujourd'hui, ou il faut un petit peu pour attendre nos passagers. Nous saluons Élisée Silla, aïe aïe aïe. Yes, depuis Chili, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia, nous saluons Lanise, qu'est-il est bon? Lanise, qu'est-il est bon? Donc, c'est pour la première fois que tu es en ligne avec nous. Donc, encore, où est-ce que tu nous regardes, Cathy, Lanise? Encore, where are you watching us? Tu nous dis, nous connaissons, fais nous connaître, ça a passé. Quel ok, what's up, ça a passé. What's going on, baby? Nous saluons encore dans la ligne. Caroline French. Au College French, encore, tu ne devrais pas être à New York maintenant. Encore, aujourd'hui, à 8, tu devrais être encore quelque part en Amérique. Je ne vais pas le dire, mais je le sais. Es-tu déjà arrivé? Encore, oh, je m'a parlé de Caroline English, je m'a parlé de French avec. Oublie, Caroline French, c'est Caroline English. D'accord, did you reach safely, Caroline? God bless you. Hallelujah. You're supposed to be in New York right now. You're supposed to be somewhere. I know and you know. But did you wish safely? Okay. Now it's better say. When you communicate with Carly in French, don't be amazed by the French word. It's like French fry, French toast, French cleaner, but they don't speak French for that. So I'm gonna leave the French fry now, okay? I'm gonna know my French fry. When this French fry, McDonald's French fry. I don't like Burger King French fry. I like the McDonald's French fry much better. Then I take the French, Wendy's French fry. But the Wendy's French fry, c'est les chauds, les bons, etc. Mais bon, on a côté bon achat French fry, mes amis. Grossement, bon, green French fry, même grosset. Bah, son j'ai qui côté, non? Yo bon French fry, même grosset. Bah, son j'ai qui côté, mais là, pour un French fry, ça, vous prenez avec steak. Oh, c'est tout ça, là, dans ce lendemain, travail dans City. Yes, I remember that. It was district 4, I think. Yes, district 4. When I was in district 4, to put it on Broadway, some store, mélange chinois, spanish, etc. And the professor gave me a comment, I always bought shell steak with French fry. My goodness. You pass it on a bike carton in a boîte, no? You bought a bon belle plate. Belle plat, shell steak with French fry. Steak là, plat, dans la baille comme ça là. Et puis French fry, la graine, French fry. Yo. Mes amis, on va pas me changer. Monsieur, il était bon, oui. Le bon couteau, il n'y a pas de petit couteau, mais encore couteau filé. Petit couteau filé, coupé de ma French fry encore. Moi, j'ai affiché. Shell steak with French fries, c'est ça qu'on a dit. Mais quoi, c'est le French fry? Bon, mes amis, quand tu es dans le French fries, ça connaît là. On fait bouche, on fait bleu là. Nadi Jean. Alléluia, bande de gâte non. Alléluia. Merci, Dan Joseph. Nous te saluons. Erline, c'est Mexan. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Et puis, encore, on a parlé de encore Shell, si vous faites, je vois là, Karine Henry Lila, elle est selon Jusin Lila. Non, don't eat. Oh, I'm talking about Shell steak with French fries. You're talking about junk food. This is not junk food. You have a plat devant, comme ça, belle plat, assiette blanche, ça, steak là, non, mi-temps, comme ça, avec French fries. Et puis, vous mettez quelque encore green. Pepper, tout bien là quoi, pour mettre bon côté avec, backup, baby salade, vous mettez là, pas pour la salade, là, pas pour et comment ça va encore, feuille, boîte au mat là. Et vous dites, où dîmes, c'est junk food? Vous donnez?
c'est vendredi, c'est junk food. Bon, moi, ma vie là. Yes! Bon, puis si nous saluons Monise Saint-Prisse, nous saluons Lim Gadnak, et vous estimez Marthy Saint-Félix, wow! Marthy Saint-Félix, nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia! Qui laisse encore pas saluer là encore, mes amis? Eliman, wow! Eliman qui t'a passé pas loin là. Aïe! Eliman, Joseph Petit Homme, alias Major et Madame Samba. Maman fait commenter là, m'a fait étude là, je dis, hein, ça n'a pas fait étude là. Et qui laisse m'a saluer là encore là. Et d'accord. Manouchka, si vous avez un stick là, ok? Vous avez un shell stick, une belle plate, bien, un bel cycle là, je vous beau French fry. Est-ce que c'est junk food? On a quitté ça à la table, on a discuté. Mes amis, nous avons déjà lu pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous avons déjà lu pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 3. Si vous avez votre grand guide de la Bible, tournez à la page. Oh, quelle page? Quelle page alors? Quelle page? Nous avons parlé de l'odeur de mort. Yes. Page 497. Alléluia. Vous êtes la bonne odeur de Christ. C'est encore dans le chapitre 2. Alléluia. Vous apprenez Banushka. Il va junk food. Right? So, n'abrêtez même côté. Right? N'a mangé les junk food, non? Yeah. Yes. So, j'adore qu'il travaille. Dit, t'as mon pape. T'as qu'un bestique, ça te fendait avec toi. Yeah. Bon, mes amis. On est au coin de Saint-Passif, encore les retours de New York, je vais juste aller directement dans. Est-ce que c'est Manhattan Avenue? Et on va songer où il y a. Graham Avenue, yes! Now I remember the street. Graham Avenue. Graham Avenue, on commence à descendre, il y a un boss à Offin qui tombe en banque. Moi, je suis que je vais passer dans son grand avenir pour me connaître si store ça là toujours, si restaurant ça là toujours, si vous avez une chaîne, c'est que parce que les moutons de New York, si vous avez la vie, si vous avez encore dans là, faut mal pas encore passer, bon, les moutons dans la tête, moi là. Manouchka, si je venais, je vais passer chez vous, ok? Oui, oui, mais vous gardez des bêtes. Oui, so, nous vous saluons dans le nom du Saint-Esprit et de Jésus. Alléluia, depuis à bord de la République Dominicaine, depuis Villa Carmen, encore à Santo Domingo, je suis là pour vous présenter l'offrande du soir. Alléluia, donc et dans 2 Corinthiens chapitre 3, alléluia, verset 1 à 3, nous parlons d'un ministère approuvé par Dieu. Un ministère approuvé par Dieu. Un ministère approuvé par Dieu. Nous avons lu encore, c'était encore. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. D'accord, là, vous changez dans 1 Corinthiens, t'as une division dans, encore, t'as une division, là, vous changez ça? T'as une division dans l'Église Corinthiens en 4 groupes. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, je suis de Christ. Donc on est là, l'autorité de Paul comme le fondateur de cette église a été diminuée. Donc on est là, Paul est pour passer l'autre gauche, j'ai été dit comme ça. Est-ce qu'il me doit passer par aller côté nous, au lieu d'aller, il va aller attrister yo, etc. Parce qu'il était violette dur, et c'est encore spécialement le chapitre 5, le 1 Corinthiens chapitre 5 là, qui était dur, il dit un tel homme doit être livré à Satan. Mais qu'on est là, nous venons 2 Corinthiens chapitre 7, il y a encore peuple a été appliqué, et ça Paul était dur, il était encore petit garçon ça qui était encore un papa avec petit garçon, il y a une même femme. Encore, Paul te demande pour jeune garçon, ça peut être capable. Encore, et livrer la Satan. Donc, on est là, les tuyautés, c'est mon petit genre attristé, Paul ne peut pas aller. Mais qu'on est à Paul pour qu'on aille toujours. Mais le point nouvelle, quand il encore malgré jeune garçon, ça, il repentit totalement. Mais il ne peut pas réadmettre lui encore. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, Paul dit non. Si on a encore les repentis, ou d'abord encore, d'accord, ça veut dire sanction pas qu'à arrêter une sanction éternelle. Allez, faut qu'on a restauré, faut qu'on a levé. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc pour le prêtre paraître qu'on y a là, comment pourrait paraître la caille? Est-ce qu'il faut qu'on ait les deux recommandations qu'on vient la caille?
Il est le fondateur de cette église. Mais qu'on est là, à cause des divisions, on prend sur mon parole, mon apôtre se parle de web, mon sépare se parole, mon qui pour Christ aurait Dieu parlant, ni pour les considérer encore. Il dit, est-ce que j'ai besoin d'une lettre de recommandation, Malakai, non? Est-ce que dans 2 Corinthiens chapitre 3? Vous connaissez nous qui lettre de recommandation, moi. Ok? Alléluia. Le mot lettre est employé ici, là, ou lettre là, il m'a dit 2 fois dans le chapitre ça. Alléluia. Dans le même chapitre là, côté Paul pour le parler, il va dire, encore. Alléluia, encore dans verset 6 là, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais pas même pareil, non? Tandis que c'est même mot lettre là, L-E-D-T-R-E, hein? Et tandis que selon le contexte, il n'y a encore pas de dire même bagaille. Donc c'est peut-être ça, chaque mot, bien phrase, il y a une signification selon le contexte. Et donc, quand je dis ça, dans le principe herméneutique là, encore, et encore, il dit encore, un texte sans contexte est un prétexte. Un texte sans contexte est un prétexte. C'est encore le principe de l'herméneutique, de pouvoir dans la petite herméneutique là. Il faut songer que chaque texte, il y a une signification selon contexte. Le contexte, c'est côté lui, dans les circonstances qu'il écrit. Là, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, nous jouons un côté, encore, verset 1er 2, qui a parlé de lettres. Alléluia. Et là, il y a un verset qui a parlé de lettres. Et puis, il n'y a pas de même genre. Tout parlait de lettres. Encore là, il n'y a pas le dit encore. Encore, avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue encore. Même dans 2 versets, ça, lettre là, pas même genre, etc. Et quand nous venons dans verset 6 là, encore, et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ici, dans la deuxième partie, dans verset 6 là, la lettre signifie la loi. L'esprit signifie la nouvelle naissance. Ok, c'est vous qui êtes notre lettre, avec nous ces références, non? Alléluia. Mes amis, alléluia. Donc, on va continuer. Continuer le même passage là. Aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Les faux docteurs judaïsants illégalisent, qui minaient le travail de Paul, produisaient des lettres de recommandation très élogieuses, écrites par des hautes personnalités de Jérusalem. Yes, encore là, c'est des grandes personnalités de Jérusalem qui ont des lettres de recommandation pour aller dans l'église de Corinthe. Alléluia. Donc on y a là, Paul a demandé, est-ce qu'il y a besoin de lettres de recommandation? Parce que c'était des judéo-chrétiens qui enseignaient notre doctrine dans l'église de Corinthe pour dire encore, sans l'observation de la loi, la nouvelle naissance n'est pas efficace. Ils ne sont pas réellement sauvés s'ils n'observent pas encore les 613 commandements de la loi de Moïse. Donc, vous-même, vous venez avec des lettres de recommandation de l'Église de Jérusalem. Vous connaissez l'Église de Jérusalem, c'est la première Église qui était fondée. Ce n'est pas l'Église de Rome, c'est l'Église de Jérusalem, etc. Donc, on y a là. Paul dit, ok, vous connaissez encore tout ça, vous venez avec des lettres de recommandation des hautes personnalités de Jérusalem. Est-ce que moi-même, tout, j'ai besoin de venir avec les lettres tout premier là, quand nous? Et ce n'est pas, nous qui référençons. Est-ce que n'êtes-vous pas ma lettre de recommandation? Etc. Yes, moi c'est lettre, non. Et c'est dans ce sens qu'il a parlé là. Donc, dit avant sa conversion, Paul aussi s'introduisait par ce biais. Avant sa conversion, Paul avait besoin des lettres de recommandation des hautes personnalités de Jérusalem pour persécuter les églises, les chrétiens, partout. Vous savez encore ce qui s'est passé à la route de Damas. Alléluia, il avait ses lettres en sa possession. Il avait ses lettres en sa possession. Encore, il recherchait partout, alléluia, des chrétiens, alléluia, pour les arrêter et les faire battre de verge et les livrer, même pour être tué. Il était témoin de la mort d'Étienne, alléluia, qu'on l'a lapidé dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Donc, Paul se servait de ses lettres avant sa conversion. Mais tout avait changé. Les lettres de recommandation sur lesquelles l'apôtre s'appuyait étaient, premièrement, des lettres personnelles. Vous êtes notre lettre, d'accord? Durable, c'est-à-dire écrite, des lettres écrites. D'accord? Vous êtes, d'accord, vous êtes notre lettre, alléluia, écrite dans nos cœurs, ce sont les durables.
Encore, je reste toujours le fondateur de cette église, et puis public, connu, élu de tous les hommes. Une lettre connue, une lettre lue de tous les hommes. Encore, nous sommes, encore, je suis pour vous, alléluia, une lettre connue, publique, élue de tous, alléluia. Donc, c'est un ministère dépendant de Dieu. Encore, dans les versets 4, et 5, Paul pourrait parler, non que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Nous n'agissons pas selon notre propre capacité, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Le verset 5. Là. Et puis, en robe d'argent, c'est un ministère dépendant de Dieu. Deuxièmement, c'est un ministère supérieur. C'est un ministère supérieur. Son programme est meilleur que tout autre. Paul fait référence à Exode 34, 29 à 35, où Moïse redescendu du mont Sinaï après avoir reçu le décalogue. À cette occasion, son visage reflétait tellement de la gloire de Dieu qu'il portait un voile pour ne pas effrayer les Israélites, qui l'attendaient au pied de la montagne. Paul explique aussi que ce voile était destiné à empêcher le peuple de fixer le regard sur une gloire passagère. Cette gloire était une gloire passagère. Dans Exode chapitre 34, verset 29-25, 35 ans. Nous t'es dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11 là, c'est raison ça qui fait Juvio encore adorer avec chapeau dans la tête. Dans d'abord là, toujours que chapeau dans la tête, yo, ou bien il y a un petit qui par barre de tête, yo, que l'Église catholique prend le copier, sinon après tout évêque cardinal. Encore les papes, alors il y a un bail à la tête, ou tête la couvrir. Tandis que l'apôtre Paul dit, garçon va besoin couvrir tête lui. Garçon va besoin couvrir tête, c'est femme qui besoin couvrir tête. Alléluia. Et bien encore, il a copié, je l'ai copié sur Exode chapitre 34, verset 29 à 35, côté, les Moïse s'abdissent sur Montaël après troisième 40 jours de jeûne, l'abdissent sur Montaël là. Et puis côté visage était brillant, mais il n'y a pas de garde l'obligé pour voir les valets figurés. Donc c'est son corps là. Il dit encore, Paul explique que ce voile était destiné à empêcher le peuple de fixer les regards sur une gloire passagère. Le nouveau programme de Dieu est supérieur à celui exécuté par Moïse, car sa gloire reflétée par Christ ne s'estompera jamais. La gloire qui est reflétée par Christ là, pas jamais vanish, comme on dit encore. Pas jamais sorti. C'est une gloire permanente. La gloire qui reflétait dans le visage de Moïse était une gloire passagère. Mais la gloire qui reflète dans le visage de Christ, alléluia, c'est une gloire éternelle. C'est une gloire qui ne s'estompera point, qui n'est pas capable de passer, qui a toujours été. Et puis là, il va dire encore, car la lettre, ça veut dire encore, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comme tu es dans le même chapitre là, les versets 2, verset 1er 2, qui a parlé encore, avons-nous besoin d'une lettre de recommandation? C'est vous qui êtes notre lettre. Alléluia, nous avons parlé, vous êtes notre lettre, une lettre écrite dans nos cœurs, encore connue et lue de tous, etc. Verset 1er 2, 3. Maintenant, quand nous faisons arriver dans verset 6 là, dans 2 Corinthiens 3, verset 6 là, mon lettre là n'a pas la même signification encore. C'est ça que nous avons parlé du contexte. Encore sans encore un texte, sans contexte, est un prétexte. Il faut qu'il y ait encore la signification du texte dépend de son contexte. Là, le contexte du mot lettre, ici, dans le verset 6, ne signifie pas une lettre de recommandation. Mais encore, c'est la loi. La loi. Encore, la lettre tue l'esprit vivifie, c'est-à-dire la loi tue. Et puis, la nouvelle naissance qui est l'esprit, encore donne la vie. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est l'esprit. La lettre, c'est la loi. Alléluia. Et c'est encore là. Donc, il continue pour joindre, puis devant. Alléluia. Son pouvoir est plus grand. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de la nouvelle naissance. Alléluia. Pouvoir, ça, les plus grandes. Alléluia. Les plus grandes. Pouvoir, nouvelle naissance, là. Car il dit comme ça, là où est l'esprit de Dieu.
là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quel est le but de cette lettre? Son but est plus élevé, le but de la lettre, le but de l'Esprit, encore vice versa, la lettre, etc. Son but, alléluia, son pouvoir est plus grand, mais son but est plus élevé. Alléluia, but est plus élevé. Nouveau projet de Dieu en Christ, là, il poursuit deux objectifs. Nouveau projet, bon Dieu gagne pour nous en Christ, là, il suit deux objectifs. Concernant Israël, si vous êtes capable, ôtez le voile d'incrédulité placé devant les yeux du peuple. Alléluia, semblable à voile ça qui était barré visage Moïse là dans Exode 34 là. Exode 34, 29 à 35 là. Donc le Seigneur veut retirer voile ça. Encore il qui symbolise l'incrédulité encore dans le peuple d'Israël là. Donc c'est ça, pour retirer voile ça pour capable venir quoi. Et puis concernant l'Église, pour être capable de transformer les chrétiens à l'image de Christ lui-même. D'accord, le but de l'Esprit, c'est d'enlever le voile qui voit le peuple d'Israël qui ne fait pas quoi. Mais pour l'Église, c'est plus capable de transformer les chrétiens à l'image de Christ lui-même. Donc, on dit là, quand c'est ça qui veut dans verset 18 là, parce que nous ne pouvons pas aller trop vite, on prend chapitre après chapitre. Encore 2 Corinthiens, chapitre 3, il n'y a que seulement 18 versets. Et c'est ainsi, alléluia, et nous campons sur verset 18 là, à la gloire de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, Dr. J. Get ready for tonight, baby. Haha, yes, quoi qu'il fait chaud, bon, comme l'embêtez à l'autre bois, bien ici. Il fait chaud pour ici, là, on a frappé quand même. Nous saluons Dr. J, alléluia, dans le nom de Jésus. Elle est maintenant à New York, à Brooklyn, à l'église de Bethesda, alléluia, pour encore adorer, prier, pour dispenser la parole à tout le monde qui veut. Donc, encore passer notre bois pour capable bénir à la gloire de Dieu. Nous saluons Lucita Dreux, alléluia, dans le nom de Jésus. Saluons Marie-Julien, qui sous YouTube là, c'est celle qui est sur YouTube là, et puis démonter sur Facebook là tout, à la gloire de Dieu. Comment ça va Marie-Julien? Comment frère Julien? Alléluia. Nous saluons Carole Joseph dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous saluons, moi qui m'attends saluer Jean-Pierre Maëlina, Aris, your sister. Vous prenez nouvelle tisseur là? Alléluia. Aris, your sister. Alléluia. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Manushka Beris, vous aimez. Got a date, baby? Yes, sir. When I come back, when I check in the grab now. Bon Dieu bénit tout le monde. À la gloire de Dieu, c'est pour nous encore un privilège pour nous être capable d'accord jouer ensemble. Alléluia, dans un moment ça. À la gloire de Dieu. C'est votre serviteur, Alfred Joseph. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pas oublier de vous encore à soi. Dans Bethesda, New York, là. Dans Bethesda et Mendoza. Dans Bethesda, à Gualoca, tout ça, on a pu frapper dans le nom de Jésus. Et JJ, yes, et JJ, quand Karine, quand tu as un chalot. Et DJ, yes, Dr. J, 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 H. Wow, mal, oui, mes amis. Pas oublier, non, pour nous supporter quoi, ça, d'accord, comment c'est, j'ai de l'arrivée, ok, tiens. Mais maintenant, nous remercions, t'as 3 monde qui te supportent, non? Alléluia. Merci, Shred, by tout bâtiment qui côté, you know, where are you watching? Qui est côté, regardez nous. Merci pour cette parole. Alléluia. So, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de supporter la croisade que nous aurons du 24 au 31 juillet à Mendoza, dans plein Mendoza. Ça coûte très cher, mais encore nous prenons encore Tap DJ qui parle pour boisson, etc. Nous tout encore son, lumière, etc. Donc encore nous invitez-vous pour capables de supporter nous. Donc un Zelle ou bien Cash App, le numéro c'est 347-359-04-95. Bye bye Justin de la parole de Justine. Bye bye Rose Doudan Michel. Bye bye tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.